un mix des deux. Un mix des deux, j'aime bien un homme qui soit doux, câlin, attentionné et sauvage de temps en temps, c'est bien aussi. Donc les deux. Non, sensible. Moi je déteste les machos, alors vraiment no way. Sensible, c'est faut que... Ouais, non, sensible, qu'il ait un cœur, qu'il soit compréhensible, empathique, quelqu'un de macho, genre la femme à la maison, ça c'est hors de question. Hein. Non, je déteste. J'ai déjà rencontré des hommes machos et je n'aime pas du tout, donc next. Là, ça va pas du tout faire. Next. D'accord, y a pas de soucis. Ryan Gosling, of course. Ah non, bah, Ryan Gosling, c'est quelqu'un. Cristiano Ronaldo, j'aime pas du tout. Je comprends pas toutes les femmes qui sont « Ah, Cristiano !» Moi, perso, j'aime pas. C'est pas ma cam. Ryan, il a des beaux yeux bleus, petites cheveux en arrière, blonds. Ah, j'aime bien, beau gosse. Il a quelque chose. Des animaux. J'ai déjà deux chats, donc à voir si on en prend un troisième ou si on prend un chien. Mais non, pas d'enfant. Pas pour l'instant. Hein. Non, pas du tout. Je suis pas du tout prête. En tout cas, je vois pas ce qu'il y a de mieux au monde que la maternité. Sans blague. Les deux. Les deux, parce que moi-même, j'aime bien le foot. Et ça me dérange pas de regarder le foot avec lui tant qu'il supporte pas le PSG. Voilà, donc si on regarde l'équipe de France, il n'y a pas de souci. Et film romantique, bah, c'est mignon aussi de regarder un film romantique à deux. Non, latino, non mais la base. Non, latino, un Vicky, mais quelle horreur, jamais de la vie. Non, un latino, en plus de ça, s'il danse la salsa, s'il chante, et non, latino. Un Viking, ça fait crasse, enfin, pour moi, c'est crasseux. J'aime pas les barbes, en fait, les grosses barbes, je déteste les cheveux longs, j'aime pas les... Non, j'aime pas. Ça dépend le stade de la relation, on va dire, ça dépend le stade de la relation, mais j'aime bien les petits surnoms. C'est mignon, c'est cute. Tant que c'est pas dit à toutes les filles, c'est cute. Mon chat, j'aime bien. Après, ça dépend de la complicité que t'as avec la personne. Ça peut être ma princesse ou mon petit papillon. Enfin voilà, ça dépend. Oh, chou, mon petit pot de beurre à froufrou. Tu es beau comme une fleur, mais pas n'importe quelle fleur. Comme une fleur qui serait aussi belle que toi. Non, un homme qui a du caractère. C'est un homme qui a de la poigne, qui a du charisme. Une plante verte, merci quoi. C'est moi qui devrais faire toute la conversation. Non, c'est pas possible. Non. Jaloux, mais pas trop jaloux. Parce qu'un homme qui est jaloux, ça montre qu'il tient à toi. Mais un homme qui est trop jaloux, c'est étouffant. Donc, jaloux, gentil. Voilà. Jaloux, modéré. Je veux pas quelqu'un qui m'enferme dans une cage. Je suis pas une colombe, hein. Tu m'enfermes pas dans une cage. Hein. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Moi, j'ai besoin de ma liberté, ouais, vraiment. Non, un sportif, la base. La base. Moi-même, en étant une sportive, j'ai besoin d'un homme sportif. Ah, obligé, on aille faire nos séances ensemble, courir sur un terrain, non, sportif. Geek, non merci. Non, c'est pas possible. Ouais, chérie, attends, je joue à la play. Attends, il y a un nouveau jeu, game je sais pas quoi, là. Craft. Non, mais jamais de la vie. Si t'as 35 ans et tu joues à ça, mais allô, t'es perché. Maniaque. Moi, je suis maniaque, donc il me faut un maniaque dans ma vie. S'il est bordélique, je vais avoir l'impression d'être sa mère et lui gueuler dessus. On va tout le temps s'embrouiller, lui ramasser ses caleçons sales. Non, c'est pas possible. Non. Il faut qu'il soit maniaque, mais pas trop non plus. Hein. Je veux pas que ce soit lui qui passe derrière moi. Qui accepte coupe au libre? J'avoue qu'on est en 2020. Hein. Mais non, fidèle. Fidèle, pas libre. Non. Oh, les deux. Ah ouais, les deux. Franchement, un docteur sexy, pas mal. Et pompier viril, pas mal aussi. Tant qu'il n'y a pas les poils qui dépassent de son uniforme, ça va. Non, villa à Miami, la base. J'aime trop Miami en plus. Non, villa à Miami, les palmiers, la mer. Non, Miami. Ah, boxeur. Ah non, boxer, un slip, c'est quoi ça? Non. Slip, pour moi, ça fait pas du tout viril, ça fait pas masculin. Boxer, c'est plus sexy. Sans lunettes. Bah après, s'il a des lunettes un peu sexy, style à la Clark Kent, ça me dérange pas, c'est mignon. Ah non, imberbe. Imberbe, je déteste les poils. Ah non, j'ai horreur de ça, les poils, ça me dégoûte.
Moi-même, j'en ai pas, donc un homme qui a des poils. Après, bon, les jambes, un peu les bras, mais un yeti, non, donc gorille dans le dos et tout, jamais, non, 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 never, impossible. Bah alors, aucun des deux. Aucun des deux. Bodybuilder, c'est trop, moi, ça m'attire pas du tout. Et une crevette, bah non, en fait, j'aurais l'impression d'être à côté de lui et non, je me sentirais mal. Faut un juste milieu, quelqu'un qui fait du sport, qui s'entretient, qui est musclé, mais pas trop ni ça, quoi. Quelle question. Grand, la base. Ah ouais, non, grand, pour moi, c'est... quelqu'un de petit, c'est rédhibitoire, je peux pas, ça me bloque, ça me fait un blocage. Alors que grand, je me dis, ouais, c'est quelqu'un, lui. Et surtout, s'il est charismatique, non, je vais plus craquer pour un grand qu'un petit. Hercule. Hercule, ouais, je préfère, parce que Tarzan, enfin... Le mec, il vit dans la forêt, il s'accroche à des lianes. Non, non, je préfère Hercule, homme puissant, homme de force, Hercule. Je suis un mâle alpha ! Respectez-moi ! Tatoué. J'aime trop les tatouages, pas trop non plus, mais je trouve que c'est hyper sexy, les tatouages sur un homme. Ah, les deux, tant qu'à faire. Les deux, mais... Non ? Beau regard, parce que s'il a des sales dents, il peut aller mettre des facettes. Donc, à choisir, beau regard. Chic. Ah non, moi, c'est la classe à l'italienne, vraiment. Non, chic. Mais il peut s'habiller street chic. Voilà, petite chemise, jean, petite sneakers blanche. Ça me va. Barbe taillée. Barbe taillée, les hommes en berbe, de niveau de la barbe, je suis pas trop fan. Ça fait trop bébé. Donc barbe taillée, mais ouais, taillée, vraiment taillée, hein, pas la barbe comme ça, taillée. Sinon, j'aime pas du tout.